Thank you Bonsoir à tous, bienvenue pour l'autre Coupe du Monde, premier rendez-vous de Lucarne Posé avec justement cette Coupe du Monde 2022 qui vient de débuter ce dimanche. Bonsoir, bonjour ou bonsoir, effectivement, comme le précise euh, Miscu Prince de Lu dans le chat, et c'est vrai que c'est le bon rappel. Bonjour ou bonsoir en fonction de, du pays. Et de l'heure auquel vous, euh, vous nous écoutez euh, ce soir ou sur les rediffusions qui auront lieu. On va évidemment revenir sur cette journée de, de Coupe du Monde, cette ouverture, ce premier match, cet unique match que l'on a eu ce dimanche. On va en parler dans un instant. Je vais quand même accueillir mes deux camarades. Euh, vous avez vu leur nom passer dans le générique, euh, mais euh, les deux protagonistes, enfin les deux camarades qui vont m'accompagner aujourd'hui, vous ne verrez pas leur tête. Baptiste, normalement, on, revoit, on voit sa tête à partir de demain, de, ce qui veut dire qu'il devrait être présentable à partir de demain. Il est dans les loges avec, euh, avec Gianni, donc euh, voilà, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas montrer. Euh, salut Baptiste. Salut, salut. Alors, alors non, je ne serai pas plus présentable <laughs> qu'un autre jour. Euh. <laughs> il n'y aura pas de changement. Ah, je sais pas, moi j'ai eu un teaser. Demain je suis de retour. Demain on voit ma tête. Je m'attends à un truc totalement fou. Bon voilà, donc euh, voilà. Normalement, euh... déjà tu nous ramènes une valise du Qatar. On est d'accord euh, elles, elles sont arrivées. Elles sont arrivées. Elles sont arrivées. Super. Voilà, vous allez voir que comme ça, grâce à ça, Elo va pouvoir se développer. <laughs> Et je vais accueillir la deuxième personne qui va m'accompagner. Vous allez l'entendre aussi. Euh, je sais même plus où t'es en ce moment. au Chili, hein, c'est ça, toujours. Vincent, salut, Vincent. Salut. Salut Nico, salut Baptiste et salut tout le monde. Alors non non, je suis en Argentine, je suis à Mardel plata Ah oui c'est vrai ouais, t'es tout. Ouais, un, ouais. Euh, oui. Ah mais tu t'es rapproché, tu t'es rapproché, étais plus. Ouais fort. je me suis rapproché. <laughs> j'étais à Mendoza, j'étais à la frontière avec le Chili et comme euh, arrives bientôt, je me suis dit que j'allais devoir t'accueillir euh, prochainement. Et ouais ouais. Je me ah, tu, tu, ça se rapproche, euh, ça se rapproche fort. Hein. Dimanche prochain hein, les amis, si vous avez suivi les différents 9 10, vous savez qu'à partir de dimanche prochain. Euh, ben, je serai avec Vincent en Argentine et forcément, on va aller suivre cette Coupe du Monde avec les Argentins. Et donc forcément, il y aura pas mal de, de, choses, de choses à dire. Euh, on va donc... Parler, hein, c'est le principe de, de l'autre Coupe du Monde. Je vous, vous explique, c'est brièvement. Si vous n'étiez pas en, euh, déjà avec nous, euh, c'était il y a quatre ans en même temps. On découpe l'émission de manière assez simple. On va revenir sur le match du jour dans un premier temps. Ensuite, on va passer euh, au programme de demain. Alors, c'est assez particulier parce qu'on a très peu de sélections à nous véritablement demain. Il y en a quelques-unes quand même, donc on va s'y intéresser. Et puis ensuite, on fera un petit focus, euh, un petit focus euh, sur euh, ce qui se passe en Argentine, hein, un petit point Argentine, justement, pour commencer à à vous emmener tranquillement vers, euh, vers, euh, vers euh, le pays albicéleste où l'on sera la semaine prochaine. Et euh, en fin d'émission, on, euh, on aura aussi une séquence en partenariat avec The Bet parce que vous l'avez vu, et si on va en Argentine, c'est grâce à eux. On a un partenariat avec, euh, avec euh, The Thebet qui nous permet, qui, pour dire les choses clairement, nous finance notre déplacement aussi en Argentine. Euh, c'est une grosse, j'en ai parlé hein, dans le 9-10 la semaine dernière, donc c'est vraiment une, une vraie belle grande étape et on les remercie pour cela. On aura une séquence avec eux. Euh, on a même réussi à, à avoir des petites choses, euh, des petites choses pour vous si vous êtes par ailleurs. On en reparlera en fin d'émission. Voilà en gros comment ça va se, ce... comment tout cela va s'organiser. Euh, et puis bah, vous savez quoi, euh, si vous êtes prêts, si je vois que tout le monde est installé, que ça parle déjà beaucoup. Euh, je ne sais pas si elles sont pleines de billets verts, les... <laughs> les valises de Baptiste. On va voir. En tout cas, le Qatar a bien failli en prendre une de valises aujourd'hui. Justement, on va commencer par cela. On va revenir justement sur le match du jour. Et justement, ce match du jour, ce Qatar euh, Qatar Équateur. Alors, on, le, on a bien compris que c'était n'était pas l'affiche la plus sexy pour, euh, pour les, les, les télés françaises, notamment. Hein. On a vu qu'ils étaient même un petit peu perdus chez certains. Je n'en nommerai pas, hein, parce que bon, ça va bloquer une fois, bloquer à vie. Donc euh, voilà, ça a été assez compliqué pour certains. On va revenir sur, sur ce match et sur cette victoire, somme toute assez logique, euh, de l'Équateur. On va commencer peut-être. Euh bah avec toi, Baptiste, avec l'Asiatique de service, parce que nous, on a un souvenir du Qatar de 2019. On l'a évoqué dans un précédent 9-10. Euh, ce Qatar de 2019 jouait extrêmement bien, était extrêmement, euh, extrêmement intéressant dans le jeu. Euh, aujourd'hui, on n'a absolument rien vu de ce Qatar-là. On en est très, très loin. Ah bah là, aujourd'hui, c'était un, un fiasco. Hein, Mais ah, f... 2019, c'était, comme on le disait, arrivé. Ils étaient peut-être trop près près trop tôt. Et finalement, ces dernières, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, ils n'ont pas été bons. Euh, même pendant la période de, de qualification, euh, les matchs qu'ils qui pouvaient, qui pouvaient présenter, ce n'était pas exceptionnel. Euh, on se souvient que même s'ils euh, se sont qualifiés pour la, pour la, pour la Coupe d'Asie, euh, c'était poussif dans le jeu enfin c'était c'était déjà catastrophique ils ont sans doute euh, ils se sont c'est un peu difficile à analyser parce que finalement c'est les mêmes joueurs c'est ouais. les mêmes c'est le même entraîneur et on pense qu'ils qu ont été prêts trop tôt ouais, et, et, et ils ont... je ne sais pas comment on peut l'expliquer ça mais ils ont été prêts trop tôt leur grand événement c'était 2022 en fait, ils étaient prêts en 2019. Ouais, mais, mais tu vois et, et, et c'est signalé justement par biscuit prince de lui dans le chat à juste titre. Ils ont fait une bonne Gold Cup. Euh, C'était l'année dernière. Donc voilà. Mais je suis assez d'accord hein, sur le. Ils ont été après assez trop tôt. Et c'est aussi c'est un point. On va en parler dans un instant parce qu'on va aborder le côté équatorien. Vous allez voir comment la presse équatorienne notamment a, a analysé ce match là. Euh, on parle aussi d'une équipe qui est en stage depuis cinq mois. <laughs> ils ne font que ça, les mecs. Euh, ils ont accumulé les matchs amicaux, ils en ont joué en Europe, ils en ont joué, en, en, ils ont fait des Gold Cup, ils ont fait une, une Copa América. À chaque fois que ce soit en Copa América ou en Gold Cup, ils étaient, on va pas dire qu'ils étaient extraordinaires. En Copa América, ils n'étaient pas extraordinaires, mais ils étaient convaincants concrètement. Ils avaient fait match nul face au Paraguay. Là, est-ce que, est-ce que ça peut être juste mental dans l'approche C'est quelque chose que l'on ouais. aborde assez souvent quand on parle de nos sélections euh, sur le côté. Attention, euh, une Coupe du Monde, c'est particulier. L'atmosphère d'une Coupe du Monde, c'est particulier. Il y a une pression que personne n'a jamais connue avant pour certains. C'est le cas du Qatar. Euh, C'était le cas de pas mal d'équatoriens aussi aujourd'hui. Euh, tu penses que ça peut avoir joué un rôle Parce que très franchement, même si ce Qatar-là n'est plus le Qatar d'il y a trois ans, ça on en OK. Mais là, on est au Qatar d'il y a dix ans. Oui, mais quand, quand on dit qu ont fait une bonne Gold Cup, etc., enfin, ils ont quand même affronté des équipes. Euh... ils perdent 1-0 en demi-finale face aux états unis bon c'est pas les états unis A mais enfin je sais pas s'il y a vraiment une états unis A ils font des en, choses en, intéressantes en poule ouais. en poule ils, ils sont contre des équipes qui ont, qui ont le même niveau que leur groupe E en, en, en qualification asiatique euh, ils ont moins, même s'ils ont survolé ce groupe là c'était très compliqué dans le jeu c'était pas beau à voir c'était et pourtant on s'attend c'est Pour le champion d'Asie en titre, euh, ça, en fait, c'est en déclin depuis 2019. Dans le jeu, ils sont passés d'être au top de ce ouais. qu'ils proposaient à progressivement descendre. Alors, oui, ils ont fait une belle Gold Cup parce que bon, ils ont battu des équipes, mais quand tu es le champion d'Asie, si tu n'arrives pas à battre, euh, attends, je reprends juste le nom, hein, mais si tu n'arrives pas à battre le Salvador euh, en match amical ensuite, euh, les Panama, ils ont pas réussi à les battre. Ouais, le Panama, c'est compliqué, hein oui, mais Panama, c'est compliqué, ils n'ont pas réussi. Grenade, on ne va quand même pas non plus s'extasier face, face à Grenade. Euh, Honduras, et puis ensuite encore Salvador. Enfin, Ce n'est pas non plus le truc le plus, euh, le plus incroyable qui soit. Euh, mais globalement, ils sont en, dé en, dé en, dé en, dé en dé dégression, ça se dit, dégression Ça se doit se dire. Euh, ouais, je suis pas sûr, en régression, peut-être. En peut régression, c'est mieux. Et... <laughs> bon, en régression. Globalement, ils sont en régression. Et je pense que oui, aujourd'hui c'était la Coupe du Monde chez eux, la première fois qu'un pays arabe l'accueille. Euh, il y a tout le contexte qui est autour, ça on ne peut pas non plus le, le cacher, même s'ils s'en défendent, etc. C'est sûr que ça impacte les joueurs. Mais enfin, moi je ne suis pas surpris. De, de ce qu'on voyait depuis euh, depuis 2019, c'est pas c'est pas surprenant. Pourtant, ils ont toujours les mêmes joueurs, hein, mais c'est pas surprenant. C'est ça. C'est-à-dire que on alors si vous avez lu les par exemple souvent sur Hello ou même dans les magazines quand on fait des histoires de de, de, de Coupe du Monde, on explique parfois qu'il y a eu des véritables succès ou des véritables constructions qui se sont faites par des pays qui ont pris le temps justement de de, de construire leur sélection. Moi, je pense toujours à Chili 62 qui est pour moi un modèle du genre. C'est une autre époque, c'est un autre temps, on est d'accord. Mais ce Chili-là, à l'époque, n'existe pas, construit une sélection et met en place, en gros, ce qu'a fait le Qatar, hein, une sélection qui est un club euh, et qui accumule les matchs amicaux, qui vit ensemble au quotidien et tout. Et le Qatar est le parfait contre-exemple. Alors, on ne va pas tirer de conclusions trop hâtives. Ils ont raté leur match. voilà. Ils ont raté leur match d'ouverture. C'est un fait. Euh à voir comment ils géreront le prochain match. C'est sûr que perdre d'entrée face à l'Équateur, c'est la première fois hein, que le pays hôte perd, le, le le, le, le perd son match d'ouverture. Euh, bon, voilà. Euh, on ne les mettait pas favoris du groupe non plus. On pensait qu'ils allaient inquiéter un petit peu plus. Et je vois passer les mots dans le chat, hein, les Ali, euh, enfin Almoès et, et, et Afif. On ne les a pas vus, euh, mais on n'a pas vu le milieu de terrain tout court hein, euh, du Qatar. On n'a rien vu du Qatar aujourd'hui. Donc c'est très très difficile d'analyser. C'était Nostromo, je crois, qui disait dans le chat euh, l'analyse du match côté Qatar euh, tient sur un post-it, presque. Hein. <laughs> presque, parce que, parce que très franchement, même si on sait qu'ils sont en déclin, euh, on est très, très, on est. On a, on a fortement, tu parlais de Tu parlais de régression, Baptiste. On a quand même une forte régression aujourd'hui, hein, vraiment. Aujourd'hui, ah mais, aujourd mais c'était catastrophique. Mais même, même les joueurs, on les reconnaît pas. Euh, moi, Hassan en défense. Ouais. Alors déjà, c'est un ailier. Bon, il est dans une défense à 3, mais je l'ai pas reconnu. C'est-à-dire que c'est un mec qui est censé qui est, qui est très offensif. Là, on, on l'a pas vu. Il n'a pas existé. Affif, euh, on l'a pas vu non plus. Enfin, c'était. Euh, c'est très... alors oui, ils sont en régression. Euh, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils battent l'équateur. Je pense non. que ceux qui pensaient euh, qu'ils allaient battre l'équateur, sur ce qu'ils ont montré depuis trois ans, non. Euh, celui de 2019 aurait pu gêner l'équateur. Ouais. Ils auraient pu avoir cherché un match nul, voilà. Mais ce qu'ils montrent depuis trois ans, ce n'est pas possible. Et, ouais. euh, et ce qui est dommage après pour eux, c'est que l'image qu'ils vont euh, véhiculer, c'est l'image de ce match-là. Euh, et ce n'est pas l'image qu'ils avaient il y a trois ans. Parce qu'en fait, on s'est vraiment intéressé à la Coupe du Monde au Qatar il y a trois ans, et ils ont sans doute pris le tournant après, 2000, après la Russie 2018 en, en voulant occuper l'espace médiatiquement, mais ils l'ont occupé trop tôt. Ouais, et et, et, et c'est là et aujourd'hui, on va retenir que ce match-là, alors que le Qatar d'il y a trois ans méritait d'être connu. Et oui, parce que ajouter à cela, alors j'ai vu passer des messages sur Christophe Joss et Daniel Bravo par rapport à l'Équateur. Moi, j'ai écouté sur TF1, c'était pas franchement mieux. voilà, voilà vous savez qui j'ai écouté. Euh, avec des gens bien perdus dans les commentaires pour retrouver les joueurs. C'est assez rigolo. Euh, bref, ça, c'est un détail. Euh, mais justement, c'est ça. Et, et c'en est pas un, parce que comme tu le dis, euh, nous, par exemple, on l'a vu ce Qatar de 2019 à la Coupe d'Asie. On l'a vu au, au terrain, euh, au stade, quand euh, on est allé voir euh, le Qatar en Copa América. On les a vus contre la Colombie, notamment, où ils avaient été dominés. Évidemment qu'ils avaient été dominés face à la Colombie. La Colombie de 2019, euh, voilà, il fallait s'accrocher pour. Euh, voilà. Mais ils avaient fait des choses intéressantes. Là, on n'a absolument rien vu. Et tu l'as dit, c'est ce qui va être dramatique, pour eux, c'est qu'on ne va retenir que ce match d'ouverture, parce que la grande majorité des gens n'ont jamais vu jouer le Qatar avant aujourd'hui. Ah, c'est ça, c'est que personne ne les a vus, et euh, on, va, on, on va retenir que euh, les Qataris sont la plus mauvaise équipe de l'histoire de la Coupe du Monde, ça commence déjà à parler de ça, euh, alors que je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud 2010 était une bien meilleure équipe, mais eux, ils avaient réussi leur entrée. Ouais, à la différence été. et que le Qatar a complètement euh, complètement raté son entrée mais de toute façon on l'a eu au bout de 5 minutes ah, oui, oui. euh, c'était a... je crois que là, il y a eu une minute où ils ont ils ont essayé de combiner de l'avant et puis après ça a... ça a pu exister et, ouais exactement ils ont fait ils sont pas en finale Red le rouge de la coupe arabe le Qatar il, il me semble qu'ils se font j'ai un j'ai un trou de mémoire ils sont pas battus par l'Algérie ils perdent en demi face à l'Algérie c'est ça je crois qu'ils perdent face à la l'Algérie. J'ai un doute, j'ai un vrai doute. Euh, j'ai regardé encore ça l'autre jour et j'ai un vrai doute, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais. Euh, mais euh, oui, ils, mais perdent voilà. ils perdent contre l'Algérie. Ils perdent contre l'Algérie, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, 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 et voilà, donc oui, il va y avoir, et euh, Paul, Paul le dit déjà qu'ils ont une mauvaise image. J'aime beaucoup ton pseudo, Paul Bismuth, alors je vais le donner en entier. Euh, <laughs> Paul Bismuth nous dit qu'il ont... y a déjà une très mauvaise image du pays sur le plan politique, sur tous les. Les débats géopolitiques, ça, ça ne sera pas chez nous. Hein, il voilà. euh, y a déjà une très mauvaise image du pays. Là, il y a une très mauvaise image de la sélection. Et on parlait de la difficulté à aborder un match de Coupe du Monde. Là, il va y avoir la difficulté de vivre avec un véritable échec d'entrée. Hein. Ah, bah là, puis derrière, ils se prennent Pays-Bas, euh, euh, Sénégal. Pays Sénégal, ouais. euh, Séni... bon, Sénégal Pays-Bas, dans un sens inverse, ils sont déjà éliminés. Concrètement, ils sont déjà éliminés. Euh, il, il fallait qu'ils aient un, au moins un match nul aujourd'hui pour espérer peut-être accrocher euh, l'un des, des, des deux autres. Mais là, c'est mort. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en relever. Ouais, exactement. Et justement, tu parlais de « ils sont déjà éliminés ». Eh bien, transition toute trouvée avec, euh, avec la partie équatorienne. Euh, bon, ceux qui suivent le Carnoposé, ceux qui écoutent nos émissions, qui lisent nos textes, ne doivent pas être trop surpris de cet Équateur là. Même s'il y a quelques petits points de, sur de surprise par rapport à l'équipe que l'on ah, a vu. Avant que tu passes avec l'Équateur, ouais, j'ai une, une petite question. Pourquoi on n'arrête pas de parler de premier pays organisateur qui perd euh, le match d'ouverture Il n'y a pas pendant très longtemps où c'était le champion en titre qui. Il... Oui, mais c'est une stat à la con, c'est comme ça. J'aime bien. des Voilà, on est d'accord. Oui, parce que ah, ouais, les, okay. avant c'était. En fait, qui perd son match d'ouverture C'est pas le match d'ouverture. Ah d'accord. Okay. Parce que si enfin, tu dois dire, si moment tu moment dis que c'est le premier pays organisateur à perdre un match d'ouverture, c'est une stat à la con. <laughs> voilà. Ok, non, non, on est d'accord. Okay. Euh, non, c'est donc... tout. Je voulais juste euh, te parler t's... de ça. Euh, parce que je me souvenais de 2002, euh, la France avait perdu, mais oui. c'est parce qu'ils avaient fait le match d'ouverture, mais c'est parce qu'ils étaient champions du monde. Voilà, exactement. Mais euh, voilà, le pays hôte qui a, ouvre sa compétition ne le fait normalement pas par une défaite. Et justement, on va parler de l'Équateur tu parlais d'élimination. Euh, potentiel euh, du Qatar. Je vais vous montrer quelques unes euh, de différents médias équatoriens à la suite euh, de cette euh, victoire. Vous voyez, eux, ils sont clairs. Hein. <laughs> euh, je vais vous le traduire forcément pour euh, ceux qui voient l'image. Euh, la tri, euh, la tri remporte, décroche une victoire historique et, euh, et rêve euh, des huitièmes de finale. Donc voilà, on est déjà en train de se projeter. Euh, côté euh, côté <laughs> équatorien, ça c'était du côté d'Expresso. Euh, vous avez aussi du côté d'Universo, euh, avec un succès euh, convaincant de la sélection équatorienne face au Pays-Hôte. Euh, C'est un titre assez, euh, assez, assez factuel, on va dire, pas d'enflammade particulière du côté d'Universo. Ça parle quand même de fête nationale. Euh, et puis je vous en ai sélectionné une troisième, euh, El Diario, euh, qui euh, pour lui, l'Uruguay. Euh, euh, écrit l'histoire en faisant tomber le, le, le pays hôte avec. avec... Oui, vas-y. dit l'Uruguay. J'ai dit l'Uruguay, l'Équateur. Euh, ouais. <laughs> L'Équateur. Il ah, y, y a des lapsus, ça va être terrible. Euh, voilà. Euh... Écrit l'histoire hein, en s'imposant face au paysote avec des buts d'Ener Valencia. Spinoza l'écrivait le, le, dans le chat à juste titre. Ener Valencia qui a été critiqué. Euh, même le système à deux attaquants parce que c'était peut-être la demi-surprise du jour côté, euh, côté, euh, côté Équateur. Ces deux attaquants et ces deux hommes de couloir, l'association Estrada Valencia, même si on l'a déjà vu. Euh, même si euh, je sais que sur TF1 ils attendaient un 4-3-3, bon voilà, euh, ils ne l'ont pas eu parce qu'ils ont dû voir du 4-3-3 sur quelques matchs, mais on a déjà eu cette association-là, et Ener Valencia euh, qui, a été, euh, qui a été critiqué avant cette, cette Coupe du Monde. Bah voilà, il s'est offert. Euh, alors j'ai bien aimé, j'ai vu passer. Euh, il s'est offert un triplé, <laughs> le premier triplé en 88 ans depuis 88 ans euh, dans un match d'ouverture. Euh, bon, il y a toujours cette histoire du but. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, hein, Baptiste. Euh, toi, je sais que tu as regardé ah non, 75 bon, fois le ralenti. Je... Euh... Moi, je ne sais pas qui touche le ballon. Je ne sais pas. Je sais juste, je comprends à quel moment ils, ils disent qu'il y a hors jeu, mais je ne sais pas qui touche le ballon puisque je n'ai pas vu de ralenti euh, zoomé. Mais je comprends la décision. Je sais euh, ce qui motive la décision. Le, le truc, c'est ça. C'est que s'il considèrent que. Bah alors, pour vous expliquer, je pense que vous avez tous vu le match, tout vu cette histoire-là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment Twitter s'est enflammé dans tous les sens. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas compris euh, l'image qui a été donnée, euh, mais très longtemps après, dans le match d'ailleurs. Le ralenti a été arrivé très longtemps après. Euh, bon. Euh, je n'ai pas trop compris cette image-là. Il euh, y a. Euh, y a euh, je crois que c'est Félix Torres. Ou... Non, c'est Estrada. Estrada qui va au duel avec, euh, avec Al-Sheb. Euh, qui est jugé hors jeu et on ne sait pas trop. Euh, voilà, apparemment ils ont considéré qu'un Équatorien au duel avec euh, avec Alsheb et euh, aurait dévié le ballon pour servir Estrada. Bon, voilà. Euh, chacun euh, chacun fera euh, conclura ce qu'il doit en conclure. Bref, le fait est que Ener Valencia quand... a quand même écrit un une petite partie, une petite page d'histoire. Il est devenu seul meilleur buteur. De la, de la sélection équatorienne en Coupe du Monde. Euh, il était exécutif Ah, j'ai cru que tu dire seul meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ouais, il, est <rire> <match>. <rire> il est le premier meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. <laughs> non, non, mais ça, c'est des stats. Voilà, Non, mais pour dire, voilà, il, 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 il était à égalité avec Agustin Delgado, ça doit parler euh, aux plus anciens. Euh, et là, il passe seul avec 5 buts. La stat, elle est quand même assez rigolote parce que l'Équateur n'est pas en Coupe du Monde depuis des siècles et des siècles. Hein. Euh, euh, et euh, l'Équateur a marqué 12 buts en tout dans toute son histoire en phase finale d'une Coupe du Monde. Voilà, Ener Valencian a mis 5. Voilà. <laughs> c'est voilà, la troisième, hein, je crois, où, où il marque consécutivement. Euh, et c'est... Euh, Qu'est-ce que j'avais vu passer Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Si, j'en ai vu une autre, une autre passer, parce que c'est intéressant, j'aime bien ce genre de stats, elles me font rire. Euh, j'ai vu passer cette, cette stat-là. Il est le, plus, le joueur le plus âgé à inscrire le tout premier but d'une édition d'une Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si vous savez qui il détrône. Je pense qu'elle est très compliquée, cette, cette, cette question. Donc, je vais vous donner la réponse. C'est Alessandro Altobelli, euh, qui avait 30 ans. Et Valencia en a 33 et quelques jours. Euh, et c'était euh, en 1986, ce qui va permettre de donner aux Argentins de nouveaux espoirs pour aller chercher un titre. Le Voilà. Euh, sinon. Sur le match, je ne sais pas ce que tu as pensé de cet équateur-là, euh, Baptiste, ou Vincent même, toi, euh, depuis l'Amérique du Sud, je sais pas si tu as, eu... as pu voir le match. Tu as vu le match Ouais, ouais, ouais j'ai vu le match, je suis arrivé à 5 minutes du début. Donc, je n'ai pas vu l'action euh, tout de suite, j'ai pu la revoir qu'à la mi-temps, mais je confirme ce que tu dis que les images sont arrivées très tard. Mais pour, euh, pour un suiveur du football argentin, ça ne choque pas plus que ça, que les <laughs> images arrivent 30 ans plus tard. Mais Et dans l'ensemble... Oui, qu'on ne les comprenne pas, surtout. <laughs> surtout qu'il n'y aura pas d'audio du VAR, si, si j'ai bien lu. Il me semble qu'il y a deux jours, j'ai vu que la FIFA ne diffusait pas les audios du VAR. Donc bon. Alors, que, alors que tu vois, euh, Habitué de l'Amérique du Sud, d'habitude, nous en Amérique du Sud, parfois on ne comprend pas. On comprend surtout pas quand c'est Baracas Central. Enfin, si, on comprend, mais bon, voilà. Mais euh, on a les audios. <laughs> ouais, euh, ça me semble quand même assez important, les audios, mine de rien. Mais bon, ils ont sûrement leur raison. Et sinon, pour reparler de foot, euh, c'est vrai que le Qatar, moi j'avais surtout vu euh, pendant la Copa América. Donc c'est un peu ce que tu disais au début où c'était décent pour le moins. C'est vrai que ce soir, enfin euh, cet après-midi plutôt pour moi, c'était quand même assez, euh, assez triste à voir. En plus, euh, du côté de l'Équateur, bon, Gustavo Alfaro, je connais bien. Je l'ai mmh. eu à Boca pendant un an. Donc euh, je ne m'attendais pas non plus euh, au match du siècle. Mais euh, l'Équateur, pas une surprise. Je, je, je vais confirmer tout ce que tu viens de dire en fait, de mon côté je m'attendais à une victoire de l'équateur, ils auraient pu en mettre un ou deux de plus tranquillement et là maintenant les matchs, les matchs à venir surtout contre les Pays-Bas et, et le Sénégal le dernier si, si je ne me trompe pas ouais. vont être très très intéressants, le, le Sénégal-équateur en troisième match. Celui-ci, je l'attends avec impatience. Ouais. Ouais, euh, J'ai presque envie de dire, il y a quand même une petite surprise. C'est sur la façon de jouer de, cette, de cet Équateur. On sent qu'ils ont ciblé quelques points faibles euh, parce que, on l'avait dit, moi, je l'avais écrit sur le site. On les a souvent vus jouer. On, on a vu hein, le système Alfaro. Alors, euh, si Vincent le connaît bien, c'est parce que Vincent est de Boca et Alfaro est passé à Boca. On sait que ce gars, garçon... c'était intéressant parce que TF1 a parlé d'équilibre, de, de solidité défensive et tout. Ça, c'est très Alfaro. C'est une équipe normalement qui est très très forte en transition, euh, qui est très très forte dans ses jeux sur les ailes. Hein. Moi je l'avais dit euh, sur les couloirs, c'est une équipe qui normalement joue au sol. Et je ne sais pas si ça, si ça vous a marqué, messieurs, mais euh, elle a passé le dé quasiment toute la première mi-temps, indépendamment d'aller euh, agresser, euh, agresser assez haut et mettre un gros impact, mais sans s'y attendre sur, euh, sur, euh, sur l'équipe du Qatar. Elle a aussi passé son temps à envoyer des ballons, des longs ballons vers l'avant. Je sens qu'ils ont ciblé une, une vraie, un vrai petit point particulier, cet équateur-là. Je ne l'avais pas vu envoyer autant de longs ballons dans le match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, à noter qu'Alfaro, je ne sais pas mon intervention, comment elle est parue, mais c'est pas du tout... Euh... Moi, j'ai rien contre lui. Euh, personnellement, je trouve que c'est même un, un bon coach. J'aime ai, beaucoup. Pas forcément un style de jeu très spectaculaire, on le disait. Mais euh, tu viens de le dire, l'équilibre, tout ça, euh, l'adaptation est quand même un point important. Je me souviens que lors d'un super classico, il nous avait quand même sorti un milieu de terrain en ailier droit. Ce genre de, de choses ne, ne choque pas trop. Donc euh, ouais, ouais, qu'il ait détecté euh, ses longs ballons. Je pense qu'on a tous vu la défense du Qatar. C'était pas forcément une mauvaise idée parce que sur les seconds ballons, ah, très, très clairement, l'équateur était euh, totalement au-dessus. Il y avait une sacrée différence. On aurait dit, euh, je sais pas, par exemple, une équipe de jeunes. Je sais que toi, tu regardes pas mal de, des équipes de jeunes, notamment par, par le biais de ton fils. On avait l'impression que c'était du U18 contre des U15, ouais. concrètement. Oui, oui. Mais, et, et ça, c'est une, une surprise un petit peu, parce que bon, on savait que le Qatar, ce n'est pas, euh, pas une équipe de monstres physiques. Euh, là, je peux même retourner vers Baptiste par rapport à ça. Hein. On sait qu'ils peuvent être déstabilisés physiquement par rapport à ça, et puis ça se voit aussi. Euh, mais là, il y a, y a eu un vrai, une vraie idée d'aller leur leur, les arroser et aller les agresser très très haut. Alors, effectivement, on a vu, alors c'est bon, tout le monde au milieu connaissait Marcos Caicedo, enfin, en tout cas, ceux qui suivent la première ligue. Tout le monde a, dé, a, a, a découvert Jackson Mendez. Très bien. Euh, attendez de voir la suite. Hein, parce qu'on l'a vu entrer en fin de match. Il n'a pas fait une bonne entrée. Mais un garçon comme Ross et Sifuentes, moi je suis très très fan. Et au niveau de l'impact physique, il est là le bonhomme. Hein. Ceux qui suivent la MLS le connaissent. Euh mais on n'a pas vu tout ce qu'il faut voir de cet équateur-là. On n'a pas véritablement vu Gonzalo Plata, un petit peu par moment quelques éclairs. Euh, on n'a pas vraiment vu Ibarra. On n'a pas vu le jeu au sol de, de, de cet équateur. Et ça devient intéressant quand même s'ils ont cette capacité à, à s'adapter à ce point-là. Euh, moi, je me souviens les avoir vus énormément bousculer le Brésil au sol euh, à Quito. On dira ce qu'on veut, oui, c'était à Quito, blabla, d'accord. Mais ils ont bousculé le Brésil et le Brésil ne s'est pas fait beaucoup bousculer dans les éliminatoires sud-américains. Là, on a vu une autre facette de cette équipe-là, avec deux attaquants très très grands et qui vont chercher des ballons dans les airs. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant pour la suite, hein, cette, cette, cette flexibilité tactique. Hein. Oui, ouais, après, cool. quand tu mènes 2-0 euh, au bout de 30 minutes, euh, tu n'as plus besoin de forcer. Hein. Ah, bah de toute façon, ils n'ont on pas forcé après. Hein. A... La deuxième mi-temps, c'est un match a... amical. Hein. Bah, c'est ouais. ça. Surtout que derrière, ils vont se taper les, les Pays-Bas. Euh, là, ça va être un autre match. Parce que là, ils vont moins arroser, je pense. Parce que quand tu aura Van Dyke et euh, Delirte dans l'axe la, dans de la défense, les ballons de la tête, ils ne vont peut-être pas en voir beaucoup. Mais on verra peut-être justement à ce moment-là l'autre face de l'équateur, c'est cette équipe en transition qui est absolument redoutable. Mais vraiment, pour le coup, moi je m'attendais à voir des fusées dans les ailes. Les latéraux ne sont pas tant montés que ça. Hein, Preciado d'un côté euh, et Estupinian de l'autre. Estupinian, on l'a pas beaucoup vu dans le match. Hein. Euh, d'habitude les mecs euh, ils, sont, ils sont partout ça, tri ça fait des triangles un petit peu partout euh, offensif. ça va très très vite dans la transition bon tu vas me dire aujourd'hui ils n'avaient pas besoin de jouer en transition les ballons ils revenaient tout seuls <laughs> donc, euh, <laughs> donc voilà mais c'est vrai qu'on ne va pas trop analyser la deuxième mi-temps je ne sais pas ce que vous en pensez mais la deuxième mi-temps il n'y a rien eu concrètement non 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 on s'est ennuyé s pour passé, le j'ai juste pas compris pourquoi il avait laissé Valencia dans le match. Honnêtement, ça c'est une décision que je, je lui aurais bien dit en conférence de presse. Alors la question lui a été posée, euh, Alors déjà il a il a rappelé que pour lui Valencia c'était un grand joueur, hein. euh, contrairement à ce que certains pensaient, donc il a aussi un petit peu répondu au... au aux critiques qu'il y avait eu dans les médias parce que oui Ener Valencia qui a beau euh, être Ener Valencia euh, vu d'Europe euh, continuer de briller euh, même euh, en championnature qui à titre personnel je l'ai vu il y a quelques temps au Razon Park euh, quand il vient égaliser contre Rennes bon voilà hein, c'est Ener Ener hein. euh, a pas changé et euh, il était critiqué et voilà et il a, il a surtout euh, rappelé qu'il n'avait rien il n'était pas blessé il n'y a rien il n'a aucun problème donc j'ai vu passer la question aussi dans le chat par rapport à la blessure d'Ener Valencia euh, apparemment il a rien donc voilà, il est sorti, alors il finit quand même avec une poche de glace sur le genou. Mais oui, je suis assez d'accord, moi je l'aurais sorti à la pause, il y a 2-0, surtout que tu finis avec un match amical. Euh, il fait entrer euh, Kevin Rodriguez en fin de match, c'était intéressant, c'était assez amusant de, de, de voir à TF1, il ne connaissait pas ce jour-là, je vous rassure, hein, pas grand monde le connaît, il joue en D2 équatorienne, donc, euh... <laughs> donc euh, voilà, c'est la grande surprise de la sélection. Euh, mais voilà, donc bon, je ne sais pas si on peut dire grand-chose de plus sur ce, sur ce match, messieurs. On va attendre. Non, on va attendre la suite. J'allais juste demander euh, le joueur de deuxième division, c'est pas celui qui était critiqué euh, parce que parce qu'il a le même agent que qu et que les gens disaient que oui, c'était pour ça, ça. qu'il était. D'aller, un... ouais, ouais, ouais j'étais pas sûr. Je crois qu'il y a une histoire d'agent. Comme quoi les histoires ouais. d'agents, il n'y a pas qu'en équipe de France. Hein. <laughs> ouais, non, 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 non. Je confirme. Donc euh, voilà. Après, la bonne nouvelle pour euh, l'Équateur. Euh, C'est qu'ils ont gagné leur match d'ouverture, ils ont gagné le match qu'il ne fallait surtout pas perdre, et maintenant ils peuvent regarder tranquillement Pays-Bas, Sénégal, et, euh, et voilà, euh, attendre, euh, attendre, espérer peut-être même un match nul pour être en position de force, c'est-à-dire dans la position que les équipes de Alfaro euh, apprécient particulièrement, celle du chasseur. Euh, et attention, alors quant à la question, est-ce que l'Équateur peut aller en huitième ou pas, euh, de Spinoza, écoute, moi à titre personnel, je pense que oui. Euh, je pense même qu'ils iront jusqu'au huitième de finale euh, même avant ce match-là je ne sais pas messieurs comment vous les voyez ou les voyez avant euh, si vous en faisiez un huitième de finaliste pour moi, ils, pour moi ils battent le Sénégal voilà bah pour moi Sénégal et Qatar ça sortait pas donc euh... voilà <laughs> voilà bon eh, écoutez Vincent pareil j'imagine tu les voyais en huitième euh, l'Équateur ouais. Ouais, ouais pour moi ça a sa place en huitième de finale de ce que j'ai vu en, en éliminatoire. Et euh, je ne vais pas mentir, je ne connais pas très bien le Sénégal. Mais j'ai assez confiance en cet équateur-là. On verra. Mais ça va être un match intéressant, ouais, ça ouais, c'est sûr. La grande question pour le Sénégal, ça va être de savoir comment on, comment on, on digère l'absence de Sadio Mane. Hein. Euh, <laughs> c'est quand même. Euh, non, mais C'est dr dramatique, hein, c'est que. Bon, on, on va passer vite, hein, mais c'est dramatique, c'est qu'un pays qui veut espérer être en huitième, ne compte que sur un joueur. Bah après, c'est ton facteur X et c'est ton leader dans tous les sens du terme. Donc quand tu le perds, la France perd Zidane euh, en 2002, on a, vu ce on a vu ce que ça a donné. mais c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. Ouais. Ça veut et dire bon. que si ce mec-là n'est pas là, tu ne tu vaux rien. Ça veut dire que ton équilibre est fragile surtout. Mais, mais euh, et c'est Red Le Rouge qui le dit, ils ont des gardiens au Sénégal. Ouais. Ils ont, euh, ont Menji surtout. Mais euh, oui, mais bon. Voilà, à suivre, on verra, on en reparlera un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur le match du jour, il n'y aura pas grand-chose de plus à dire. On a eu un... Allez, 30 minutes d'Équateur qui force un peu et ensuite un match de préparation. Bravo à l'Équateur qui euh, réussit son, son entrée. On est très content de voir cette équipe. Et on est surtout, moi je sais que je suis très content de voir qu'elle a séduit les gens, même s'il y a des réserves par rapport à l'adversaire du soir qui a raté, complètement raté son match. Mais voilà, c'est déjà ça. On est assez content de voir, euh, de voir cet Équateur-là. Euh, s'imposer. Voilà, on va passer à la suite. Juste, juste ouais. pour finir, avant de finir, je suis sûr que tu as dansé devant ta télé juste avant le match. Non, je suis pas comme ça, moi, pourquoi Il si, y avait un petit BTS qui était là. C'est vrai, j'ai pas vu la cérémonie. Ah, bah tu le montreras à ta fille alors. Bah, elle n'écoute plus, c'est fini. Oh, le service militaire les a tués. Euh, voilà. Non, elle avait, elle avait décroché avant. Elle... Elle a grandi, vois-tu. Tu vois, <laughs> il y avait de la Corée du Sud aujourd'hui. Ah, il, la... il y a toujours de la Corée du Sud, en fait, c'est terrible. <laughs> ils sont partout, ils sont partout. Ils sont partout. Voilà, bref, on se projettera hein, quand il le faudra, messieurs, dames, sur, euh, sur cet équateur Sénégal en, en amont de la deuxième journée. On va, on va se projeter là maintenant sur euh, ce qui arrive demain, justement. Euh, voilà, on va, passer, on va passer au programme de demain. <tousse> Au menu demain, trois matchs. Ça va commencer à 14h. Je vous les affiche avec les heures françaises. Hein. Donc, je vous laisse faire la conversion en fonction des pays où vous êtes. Euh... <laughs> je vois que ça chambre Chili et Pérou dans le chat. C'est très bien. Euh... On va penser à Byron Castillo aussi, qui aurait dû être de ce match-là. Si les Chiliens et les Péruviens avaient pas foutu la zouille. La bise aux Chiliens et aux Péruviens. Euh... Bref, euh... trois matchs au programme demain Angleterre-Iran à 14h Sénégal-Pays-Bas à 17h états unis pays de Galles à 20h. Vous avez même les chaînes. Hein, Ceux de capture d'écran est pris sur le site de la FIFA. Donc, euh, ce sont les chaînes qui vont diffuser. Où il n'y aura qu'un seul match sur une chaîne en clair. Hein, bon courage. Euh, c'est bizarre. Hein. C'est étonnant. Euh... <laughs> donc, voilà. Mais je crois qu'il Non, a mais c'est très bizarre d'avoir sélectionné états euh, unis pays de Galles et pas Sénégal, Pays-Bas. Je suis très d'accord. Je ne comprends pas pourquoi TF1 a choisi états unis pays de Galles. Est-ce que c'est Bein qui dit que c'est loi Je pense que oui. Ouais, c'est le plus beau match, du coup, franchement. Euh... Et c'est matchs à 20h. Donc, euh, je n'ai pas la liste de tous les matchs de TF1, euh, les 28 matchs de TF1. Il y a aussi, comme le dirait le rouge, 17h, personne ne regarde. Ça, c'est fort probable. Comme les 20h, il temps. y a Camping Paradis. Mais 20h euh, à la place du journal, euh, franchement, je ne suis pas sûr qu'à part l'équipe de France, il y ait grand monde qui joue à 20h sur TF1. Je ne sais pas. Il faudra, faudra, faudra vérifier. C'est euh... mmh, bizarre. Donc, voilà. On va parler brièvement d'Angleterre-Iran, euh, parce que bah, on, on en a parlé en off, vous l'avez probablement lu sur, euh, sur, euh, sur Hello, dans, le, dans la présentation euh, des, euh, des équipes du Moyen-Orient, il y avait l'Iran euh, dans, 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 euh, dans ses qualifiés pour la phase finale. Euh, Baptiste, si je, si je dis que l'Iran, euh, c'est l'inconnu total, euh, je ne me trompe pas trop. Hein. Bah non, parce ils ont fait des choses très bizarres. Euh, déjà, ils ont fait revenir Kéros. Alors, est-ce qu'il a réussi à remettre en place ce qu'il avait fait il y a 4 ans euh, En très peu de temps. Pas, en très peu de temps, c'est n'est pas sûr. Il euh, y a un contexte politique qui forcément impacte les joueurs parce qu'ils ont pris clairement position. Ouais. Euh, toute l'ambiance autour de la sélection n'est pas sereine. Euh, il manque leur meilleur attaquant. Azmoun, je ne sais pas s'il est revenu de blessure parce qu'il n'a pas joué depuis début octobre euh, donc c'est compliqué l'Iran euh, aujourd'hui alors il y a quelques temps j'ai dit que l'Iran pouvait embêter euh, Angleterre, états unis Pays-Bas, j'en suis moins sûr en regard de ce qui se passe autour de la sélection du jeu, parce qu'alors ils se sont fait battre par la Tunisie euh, en match de préparation donc ça montre quand même quelque part qu'ils ne sont pas du tout dans, dans, le bon, dans le bon mood on va dire euh, c est... C est... ça va être très compliqué. Je pense pas que demain, ils vont faire quelque chose. Malheureusement être... pour eux, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va voir, justement, on parlait tout à l'heure de l'impact du contexte de la pression d'organiser une Coupe du Monde et de disputer sa première Coupe du Monde à la maison. On a vu ce que ça a donné sur le Qatar. Là, on est dans une dimension vraiment supérieure parce que là, c'est un contexte politique. Euh, Baptiste le disait, avec de vraies prises de position des joueurs. Euh, bravo à eux, d'ailleurs, d'avoir euh, pris ces positions-là. Euh, et on, tout ça, donc contexte très très pesant, euh, avec, avec en plus euh, une équipe, on, Baptiste le disait à l'instant et je vous invite à aller le, le, le voir sur le site, une équipe en reconstruction, euh, plus ou moins, parce que Kairos a rappelé la grande majorité des joueurs sur lesquels il s'était appuyé en 2018. On va quand même rappeler, euh, Baptiste, si la mayonnaise reprend vite, on va quand même rappeler que l'Iran de Kairos était ce qui se faisait de mieux en Asie à cette époque. Hein. Oui, alors de mieux en termes d'équipe, en d'équipe à, à bouger. Ouais, c'est enfin, ça. C'est-à-dire que à Ça peut vraiment. C'est pas si... la plus belle à voir, mais c'était super efficace. Voilà, on est. Oui, la, 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 le mieux, c'est-à-dire en termes de, en termes de performance, de résultats, de performances. On est d'accord que c'était pas le Tiki-Taka ouais. ou le football total, mais c'était une équipe incroyablement difficile à jouer. Euh, on l'avait vu hein, à, la, à la, en 2018. Euh, il y a peut-être des signes hein, quand même, hein, parce qu'il y a eu euh, des, signes, des, 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 des matchs amicaux encourageants. Hein. Il y a une victoire face à l'Uruguay, il y a un match nul face au Sénégal. Attention quand même, hein, euh, peut-être que. Hein. Ouais, mais depuis ces deux matchs-là, euh, le contexte politique a été beaucoup plus puissant. Alors, c'était les, les prémices hein, quand ils ont fait euh, victoire contre l'Uruguay et match amical face au Sénégal. Euh, depuis. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est là où le dernier match face à la Tunisie est très inquiétant. Exactement. Bon, on va voir. Ça sera la grande surprise de demain. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure d'Angleterre-Iran quand on sera dans la rubrique, dans la rubrique pronostic. On en parlera tout à l'heure. On verra. Voilà. Mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cet Iran-là. Euh, si c'est l'Iran à la sauce Kairos. Euh Vraiment, on le répète, bon courage aux Anglais parce que ça sera pas si facile que ça euh, de bouger cette équipe-là. Mais reste à savoir véritablement dans quel état elle est. Alors vous, avez, vous choisissez votre camp, soit celui des optimistes, euh, soit celui des pessimistes qui pensent que cet Iran a vraiment d'autres choses en tête. Et, euh, et euh, voilà, donc euh, libre à vous de, de voir. Je, je sais, on ne peut pas vraiment parler de mettre le bus euh, Red le Rouge. C'est une équipe qui est juste très compacte, très difficile à jouer et très 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 très, très efficace. Euh, hein, qui était à l'époque de Kéros Le truc, c'est qu'on est en train d'analyser sur la base de souvenirs euh, d'une du, époque qui est assez lointaine de maintenant. Donc euh, voilà, c'est très difficile d'analyser cet iran et euh, tout cela. Baptiste le disait, il euh, faut saupoudrer et même très fortement saupoudrer avec le contexte actuel. On verra. Euh, c'est l'inconnu asiatique, hein, l'Iran, très clairement. Donc avoir euh, donc, bon, je sais pas si. Vous Alors que ça devait chose, être la valeur sûre. Alors que ça, de, ça aurait dû devenu... être la valeur sûre. Parce qu'ils se sont, ils, se, ils ont eu une campagne de calife qui était pas folle, mais ils ont jamais tremblé. Hein. Ah non, mais ils se sont baladés. Enfin, ils ont fait une classique. Ils ont fait une classique. Ils ont, ils ont juste perdu face à la Corée en disant en mode euh, on est en Corée, on n'a pas besoin de jouer, et, euh, et c'est tout. Mais sinon, ils, ils ont fait ce que fait l'Iran depuis, euh, depuis, euh, depuis, 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 depuis l'arrivée en 2013, je crois, qui hein, ouais, comme oui, ça. Facile, Donc, euh, ouais. Ils font, ils font toujours la même chose. Donc ils se sont baladés. Mais euh, on change d'entraîneur et il restait que trois matchs de préparation. Et voilà. Et voilà. Et en plus un pays qui est en feu. C'est ça. On va donc, savoir ce que ça va donner. Exactement. On va voir. On va voir. Ça sera à découvrir demain. Je vais vous, remettre. le programme euh, des matchs de demain puisqu'on va passer. Euh, on va passer très vite sur Sénégal Pays-Bas parce qu'on a parmi nous aucun spécialiste de football africain donc on va pas. Euh, en, on ne va pas ouvrir des portes déjà ouvertes. Hein. On va pas, voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Je sais que Baptiste, toi, tu as, as une petite appétence pour les Pays-Bas. Juste rapidement. Oh, on en parlera tout à l'heure des Pays-Bas. Tu, tu les as suivis un petit peu, je pense. Hein. Oui, alors j'ai un peu lâché depuis que Van Rall est arrivé parce que ah un ouais. peu plus. je ne veux plus de Van Rall. <laughs> même s'il a remis l'ordre dans l'équipe depuis Debourg, je, je ne peux plus voir cet homme-là. C'est ben un peu de retraite, papy. Et, Et dire merci que au FC Barcelone d'avoir détruit l'équipe. Et dire que c'est le prochain sélectionneur de la Corée du Sud. Bref, euh, on va se on va, on va focaliser sur le match de 21h, le match États-Unis-Pays de Galles. On va arriver là-dessus parce que c'est pareil, il y a pas mal d'inconnus avec ces États-Unis. Si vous avez suivi la campagne de qualification via Lucarno Posé ou dans les divers commentaires que l'on a fait à gauche à droite, on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus avec ces États-Unis-là parce que. Euh, ils n'ont pas véritablement tremblé pendant les éliminatoires. Ils n'ont pas véritablement séduit non plus. On est, on en parlait et vous verrez, il y aura un article qui va présenter un petit peu la CONMEBOL, euh, les représentants de la CONMEBOL autres que le Mexique euh, normalement demain, si j'ai le temps de le finir. Euh, probablement demain parce que les États-Unis euh, demain donc euh, demain. C'est une, une équipe qui projette aussi euh, sa Coupe du Monde 2026 qu'elle va organiser. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Hein. Je crois que c'est la sélection la plus jeune. Euh, il faut que je vérifie. J'ai dit Code Mayball, c'est Concacaf. Oui, merci Pierre. Euh, je fais beaucoup de lapsus ce soir entre Uruguay et Voilà, bref. Bref, euh, États-Unis, équipe la plus jeune, je crois 25 ans de moyenne d'âge. En tout cas, c'est la sélection américaine la plus jeune dans toute l'histoire à participer euh, des sélections qui ont participé à une Coupe, euh, à une coupe du Monde. Le problème, c'est que on l'a déjà dit et vous le découvrirez demain. Euh, c'est une sélection dirigée par quelqu'un qui n'a pas l donne pas l'impression de savoir véritablement ce qu'il ce qu veut faire de sa de cette équipe. Euh, on voit des joueurs parfois euh, qui jouent à des postes qui ne sont pas les leurs euh, et qui sont complètement perdus. Moi, j'ai des souvenirs de Pulisic totalement perdu sur le terrain pendant les éliminatoires, à ne pas savoir euh, où se placer, avec une équipe qui se faisait bien bien bouger. Donc euh, voilà, face au Pays de Galles euh, et face à Gareth Bale qui vient de gagner la MLS après euh, six mois de golf. Voilà. <laughs> je ne sais pas si vous allez le, le suivre ce match, messieurs. Si vous avez des choses à dire là-dessus, euh, c'est quand même aussi une affaire d'inconnu. Hein. Demain, euh, les États-Unis, on ne sait pas trop dans quel état ils arrivent, quoi. Bah, Forcément, on va suivre. C'est la Coupe du Monde. On est obligé de regarder <laughs> tous les quatre ans. On est obligé de regarder. Après, je t'avoue que c'est pas le match qui me fait le plus rêver parce que le Pays de Galles ne m'a jamais euh, fait rêver. Euh, après les États-Unis, j'aime bien. J'aimais bien les MLS à une époque. Euh, je suis juste un peu déçu que ce ne soit pas les États-Unis que j'ai connus en 2014. Voilà. Donc ça me donne de... pas forcément envie de, bah, est... de m'enthousiasmer en sur... pour eux. On est sur un autre. C'est-à-dire projet... que moi, je suis encore à l'époque en... voilà, clean d'MC. Ah, mon... ouais. en... Ça donne envie de regarder, mais là. Euh... Bah... <laughs> comme disait comme petit biscuit presque de lui dans le chat nos pépis nos parties on attend des pipi, ouais il y a la grande question de l'avant-centre du côté des états unis c'est un problème qu'ils ont depuis, euh, depuis quelques mois années entre guillemets et il y a je dis vraiment hein, l'organisation de Berhalter on sait pas trop ce qu'il va choisir la chance qu'il a lui pour le coup c'est que alors je sais pas si je vais déclencher un effet LO en moins de 24 heures c'est qu'il n'a pas de blessé euh, donc il a tout le monde il peut s'appuyer sur tout le monde euh, voilà euh ce qui est assez intéressant, c'est que Béralter considère le pays de Galles comme une équipe de première ligue. Hein. Donc euh, voilà, tu sais, c'est une histoire de jeter un petit peu le truc. Alors forcément, on va tous regarder avec attention euh, euh, Pulisic, Giovanni Raina, euh, Brendan Aronson. On va voir. Ils sont un peu jeunes. On va voir comment ils vont aborder cette, cette première Coupe du Monde. Euh, je crois que c'est Sargent qui a annoncé euh, plus ou moins en pointe euh, euh, Pierre. Euh, donc euh, voilà, à voir. Grande question sur ces États-Unis. Ça va permettre aussi de voir comment ces jeunes-là sont capables d'aborder une compétition, une phase finale de compétition, euh, émotionnellement. Et on a vu aujourd'hui les dégâts que, que ça peut, que ça peut après, provoquer. Ouais, vas-y. Après, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt. Le... Alors, oui, émotionnellement, de jouer la Coupe du Monde, etc. Mais est-ce qu'ils vont être jugés sur cette Coupe du Monde-là Ou plutôt, on va se dire. Ils se préparent, ils apprennent et en 2026 ils vont envoyer. Ça, Moi, je le vois plutôt comme ça de mon point de vue. Ouais, bah, c'est un, euh, un peu le. C'est toute la question en fait. C'est-à-dire que. Et c'est aussi l'avantage et l'inconvénient de cette équipe très jeune, parce qu'il y a vraiment des très jeunes dans l'équipe. Euh, c'est que d'un autre côté, ils peuvent conclure ça si ça se passe mal. Et donc, tu vois, tu peux travailler tranquillement. Euh, mais si ça se passe bien, comme le dit Paul Bismuth, euh, sur. Euh, sur l'enthousiasme et sur la fougue entre guillemets, de la jeunesse, bah ça peut, euh, ça peut aussi être une équipe surprise. Je ne suis pas sûr que ça soit une surprise jusqu'au bout. Je sais pas qui ils peuvent taper euh, si jamais ils finissaient euh, deuxième de leur groupe. Mais euh, voilà, on va peut-être oh, faire Je pense qu'ils vont juste chercher à sortir du groupe. De toute façon, ouais. derrière l'Angleterre, il va bien falloir en un, un, un deuxième. Donc euh, moi, le Pays de Galles, j'y crois pas beaucoup. Je... C'est une équipe chiante. Voilà, hein. J'y crois pas. Ouais, oui, c'est chiant à jouer, mais oui, c'est, je, je sais pas, je, alors un pays galérant, je pense qu'on peut tous prendre des, une tisane parce qu'on va tous s'endormir. Mais euh, non, je crois. Ils ont, enfin, c'est un groupe où, à part l'Angleterre, tu sais pas qui peut sortir finalement. Quand Et encore euh, l'Angleterre, l'Angleterre, parce que tu te dis qu'elle est supérieure à ces équipes-là, hein, Mais euh, quand tu vois l'Angleterre de ces derniers mois, très franchement, euh, elle peut vite être en danger aussi, hein. Oui. Mais dans la logique des choses, oui. l'Angleterre sort premier. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Donc, voilà. Euh... Et je te confirme, les États-Unis, c'est l'équipe la plus jeune et l'Iran la plus vieille. Eh bien, voilà. Vous avez les deux. Et le états unis iran qui aura dans quelques jours va être très sympa. Il était déjà très sympa en 98. Forcément, on va ressortir tous ces papiers-là et toutes ces choses-là. On va en entendre beaucoup parler. On en a déjà tendu, beaucoup entendu parler. Et dans le contexte actuel, encore plus. Euh, voilà pour les matchs de demain, vous avez le programme qui est affiché, Angleterre-Iran 14h, Sénégal-Pays-Bas h états Etats-Unis-Pays euh, de Galles 20h, euh, on se retrouvera nous à 22h pour, euh, pour justement aborder euh, ces, euh, ces rencontres-là, euh, avec Vincent on va évoquer très rapidement euh, du côté de l'Argentine, il y a eu un espèce de storytelling qui a été fait en France hein, sur Messi, <laughs> Vincent, ouais. ça va hein, finalement Alors, je... Je ne sais pas ce qui a été dit en France parce que je ne regarde absolument pas les médias, mais grosso modo, il euh, n'y a rien de grave. On savait déjà qu'il n'y avait rien de grave. C'est juste que Messi euh, à la, euh, ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers il s'entraîne euh, tout seul. Il a des charges de travail qui sont très allégées, on va dire. Mais dans l'ensemble, euh, tout se passe bien. On. On revient juste, bon, ce qui s'est passé il y a trois jours, c'est euh, qu'il y a eu la, la désaffectation de Nico González et de Joaquin Correa, qui ont été remplacés par euh, Angel Correa et Thiago Almada. Ouais. Et sinon, euh, du côté physique, on surveille pas mal Kuti Romero, Acunha, Papou et euh, Lautaro aussi. Euh, on parle que eux, c'est peut-être à ses limites et on a notamment des doutes aussi sur euh, qui va accompagner Paredes et De Paul euh, au milieu de terrain. Donc, euh, je sais que toi, Nico, tu préférerais voir <laughs> comme moi <laughs> euh, un certain Enzo, mais malheureusement, sera lui, euh, ce, ce serait entre Papou Gomez, Alexis, donc McAllister, ou même éventuellement de Julian Alvarez parce ouais. que, et parce que bah, en fait, apparemment, il surprend. On sait qu'il arrive en forme, qu'avec City il est bon, malgré euh, on, on sait avec qui il joue euh, en club, mais il fait grosse impression. Et on parle peut-être éventuellement de changer le Exactement. système pour, euh, pour faire place à Julian. Alors je t'avoue que moi, ça m'étonnerait quand même. Après, mais, il peut le faire face à l'Arabie Saoudite, très franchement. Oui, 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 je pense que concrètement... C'est peut-être le meilleur moment pour le faire, effectivement. Surtout que je suis pas persuadé que... Enfin, Et... c'est pas non plus complètement fou comme changement. Et on va rappeler que Roulian, je sais que je vais remuer un mauvais souvenir, Roulian entre en Libertadores 2018 au milieu de terrain. Et j'avais oublié cette histoire. Je ne vois <laughs> pas de quoi te parler. <laughs> Il remplace Palacios, si j'ai bonne mémoire. Mais, euh... bref, mais, 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 mais voilà, bref. Tout va bien du côté de l'Argentine, j'imagine. On va en parler brièvement en 2-3 minutes. Euh, du côté du pays, oui. ça y est, on est en mode Coupe du Monde. Ouais, bah on est déjà depuis un petit moment. Ouais. On sait que les Argentins sont très très confiants. Alors, un Argentin vous dira jamais qu'ils vont la gagner parce que ça s'appelle la Moufa. Et donc, euh, il ne faut pas dire qu'on va gagner. Mais dans l'ensemble, on a quand même une confiance générale et globale qui se voit, qui peut même agacer. Mais euh, dans l'ensemble, euh, là, il était temps que ça commence. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne, pour vous donner une idée, euh, ce matin, j'étais, euh, je me suis arrêté dans une station-service pour, euh, pour euh, recharger de l'essence et tous les, toutes les, les TV étaient sur ESPN. Et sur ESPN, on montrait euh, le stade euh, d'Oa. On parle du Qatar euh, 24 heures sur 24. On, on se demande comment on dit Messi dans toutes les langues. <laughs> ce genre de choses, c'est quelque chose. Voilà, c'est euh, aussi ce qu'on vous permettra de suivre hein, quand on y sera à partir de la semaine prochaine. Euh, mais voilà, vous voyez que l'Argentine, elle est euh, forcément, hein, c'est pas une surprise, euh, elle est déjà en ordre de marche et on on ra voilà, on rassure donc euh, les supporters de l'Argentine qui nous écoutent. Ça va, Messi va bien, il n'y a pas de souci avec euh, avec Léo Messi. Euh, S'il y avait des soucis dans l'absolu, euh, il n'aurait pas fait les 90 minutes face aux Émirats arabes. Hein. Voilà. Euh, bon. <laughs> donc, euh, bon. Et voilà, et on va conclure donc cette émission. Euh, je vais enlever l'image de Messi parce qu'on va beaucoup le revoir dans les, euh, dans les prochains jours. À la fin de ce premier, euh, l'autre Coupe du Monde, épisode 1, du jour 1 donc. Euh, et on va vous donner rendez-vous euh, demain, euh, même heure, même endroit, euh, à partir de 22h. On va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, ils sont au-dessus de ma tête. Euh, on va vous remercier. Euh, de nous avoir suivis, de nous remercier vous remercier d'être avec nous. Merci à Jordan pour, euh, pour le dixième mois de sub. N'hésitez pas à nous, à nous soutenir en vous abonnant aux plateformes, si vous le pouvez, aux différentes plateformes sur lesquelles nous sommes. On vous donne donc rendez-vous demain pour le prochain, euh, l'autre Coupe du Monde. Et d'ici là, bah, écoutez, profitez des trois matchs de demain. Et bonne nuit à tous.